Nous sommes repartis. Je me demande si c'est considéré comme quoi les drôles. C'est des mutants, hein, les drôles, c'est pas des animaux. Dégueulasse ces trucs. Mais bon, elle, elle devrait faire du bon dégât. Elle fait du très bon dégât sur les mutants et tout ça. C'est vrai que ça, je suis assez content. Ouais, je suis très content même. Puis on a ça, c'est animaux, dégâts à distance. Ah, c'est vrai qu'on avait mis ça et tout dessus. Non, honnêtement, on a du bon équipement. Bon, ouais, bref, allez, on y va. On doit tous les massacrer et il y en a des tonnes et des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup. Oh la vache, quoi. Après, ils ont pas masse de vie. Hein. Ils sont pas tous alertés, mais honnêtement, c'est du pareil au même. Ah, ça ferait 3. Même en enfer, personne ne voudrait de vous. On peut voir un peu la rigolade. Là on a le missile nucléaire, ça on l'avait déjà testé je me rappelle. Ah oui mais la capacité après on l'a pas vue. On l'a pas prise, pardon. Est-ce que la portée est augmentée? Non. Non c'est juste plus large. Ok, on pourrait faire du feu. Très bien. Ouais, j'aurais pu me m'accroupir tout simplement. Toi, t'as le tir de saignement, ouais. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on le lance-flamme, ça fait plus de dégâts contre les animaux et tout? Faudrait lui mettre de la survie, honnêtement, pour optimiser les dégâts du lance-flamme. Faudrait même lui mettre le truc du grippin, là, parce qu'il y a genre 30% de dégâts en plus. Billie Jean, il peut passer comme ça, on est d'accord? Oui, on peut passer entre les... Je sais pas trop quoi faire. Ok.
Oh là là, elle a brûlé, sentinelle. Oh. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. Il a pris cher, Sentinelle. Ah! J'avais dans l'espoir qu'on puisse. Mais bon. On pourrait les faire venir. Et on utilise ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Parce que lui, il va pas pouvoir passer. Hein. Donc il faudrait les faire venir ici. Et on les canalise tous. Pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Je pense qu'on peut très bien s'en sortir comme ça. Attends, il y a un 125 de dégâts qui s'est affiché, t'as tiré sur quoi? Copain. On a notre vachette. Ça pète encore. Après, l'explosion fait pas trop mal, ça va. Il y a lui qui va nous faire chier, hein. Il va taper Fury. Hein. Il va complètement taper Fury en fait. Voilà, j'ai merdé parce que c'est 7 TA. Aïe aïe aïe. Ça marche pas, c'est pas des animaux. Hein. Non, ça marche pas. Ah, donc on peut mettre du feu après le nouveau. On va voir s'il se prend deux dots. Two
Ah, je crois que oui. Très bien. Régène à tout le monde. Ça dure combien de temps cette merde? Perfecto. Et là, ça, j'ai pas vraiment envie de tirer avec ça. Je devrais les tuer avec les dots et tout ça. Avec moi, enfin oui, avec les alliés plutôt. No. Okay. J'ai eu peur. Vous savez ce qu'on va faire. Hein. Ah, c'est parce que le camion il est revenu, il est reparti à sa place. C'est pour ça qu'il y a eu écran noir. Ah, je suis vraiment content des deux. Ouais, je dois avouer, je suis vraiment content des deux. On va aller soigner tout le monde. Vraiment très content. Ils sont très puissants. Encore heureux que ça, elle a une jolie voix. Parce que j'avoue que sa radio, hein, c'est pas le... Pas... Non, ça va, ça passe en fait. C'est pas si mal que ça. Cette musique, elle est marrante. Elle est sympa. Oh là là, ça c'est chiant. Attends. You may experience a desire to scream or yell. This is acceptable if it helps you resist movement. Ok. Tout le monde est au max, tout le monde est bon. Hey! Doyen, il prend des niveaux, hein? Alors, je suis allé regarder au fait, j'ai pas parlé de ça. Je suis allé regarder pour le doyen. Il y a bien une quête avec lui. Il y a bien une quête avec lui. Je sais pas où, mais il y en a qui disaient que sur le forum, il y en a qui disaient... Alors je sais pas, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, il me suit partout et tout. Il n'y a rien du tout. Et après, il y en a d'autres qui ont dit qu'il y a un endroit. Je sais pas, j'ai pas vu l'endroit en fait. Parce qu'il y avait spoiler et j'ai pas ouvert le spoiler en fait. Mais apparemment, il y aura un endroit où le mec, bah, il veut aller. Et on aura une récompense s'il a encore envie. Donc c'est cool.
Il me faut mes lunettes, moi. Ah, donc ouais, je suis content de ça. Donc c'est pour ça que, si on peut, on essaye de le garder en vie. En plus, alors déjà de 1, ça nous aide. Mais de 2, c'est que, ouais, je voudrais bien. Et je sais pas ce que c'est la récompense. Donc voilà quoi. Ça, ah putain, elle nous a mis exactement la même musique en plus. Oh la vache! Ouais mais attends, là c'est trop beau pour passer à côté là. J'en sais rien. Je veux juste tester, voir les dégâts. Après, les dégâts, s'ils sont pourris, ça sert à rien. Mais je veux voir un peu ce que ça fait, quoi. Non, honnêtement, ça vaut pas le coup du tout. Non, ça vaut pas le coup du tout, le tir normal de la requête comme ça, c'est pas bien. Il faut une habilité avec. Il faut ou le truc nucléaire là, ou une habilité. Ouais, non, ça vaut pas le coup du tout. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Faut ça. Comme ça. Yeah. Là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. On va les garder. Hein. Là, c'était juste pour marquer le coup. Mais là, c'est puissant, là. Est-ce qu'on a des dégâts en plus si c'est des roquettes? Non, dégâts... Non, roquettes, non. Voilà, ça fout le feu. Ça laisse une zone. Ah, c'est nickel. Position. Ils sont activés eux ou pas? Je sais pas. Attendre.
On reste tranquille. On reste tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Regardez la belle brochette qu'on va faire. Voilà. Ça, ça fait les bons dégâts. Là. Sentinelle bouge. Je crois qu'on va pas pouvoir bouger. Il va falloir qu'on... Ouais non, on reste là. Merde, mais j'ai pas fait... Oui, je me demandais pourquoi c'était pas tout 95%. En fait, non, parce que c'est... J'ai pas pris le tir sur juste là. Ça explique... Sans déconner. Yes! Deux d'affilée. Enfin, deux dans le même tour, je pense. Ça c'est, là c'est bien. Alors là tu viens de merder d'une force. Là, on va pas mourir, mais il y a peut-être un ou deux qui vont tomber. Come with me.
bien. Très bon dégât. Très très bon dégât. Pas toucher Marshall. Ah, faudrait le soigner Marshall. Et ben Marshall il se débrouillera. Hein. Merde, j'ai que 3. Très bien. On essaye de la faire tanker. Voilà, je voulais que ça touche un peu l'autre aussi. Très bien, rat. Doucement, doucement, doucement. Là, on l'a fait tanker, c'est très bien. Oh, 170. Alors du poison qui ont ça commence à péter. Parfait. Oh, c'est que du poison. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qui il faudrait soigner? On va être obligé. Okay. Il y a Lucia qu'il faut bouger. Marshall qu'on bouge d'abord. J'aurais dû faire le tir. Attends, il y a Lucia qu'il faut d'abord bouger. Je sais pas si elle est à portée de l'explosion là. Alors après on fait ça. C'est tout stratégique là. Ah putain, il y a le clone aussi. Ça va.
sentinelle. Ah ouais, on est dans la merde là. Putain! Portée du machin quoi. Beaucoup de gens qui sont pas en vie. Ok, c'est pas si mal. Sentinelle! Chaud! C'est chaud, c'est chaud! Encore du poison alors qu'elle était par terre. Alors, j'avoue que là on est méga mal placé. Je peux pas bouger en plus. Ça peut grimper les échelles? Honnêtement, on pourrait faire un putain de carton, mais bon, on toucherait tout le monde. Ce qui est bien, c'est que je crois que la frappe chirurgicale, c'est aussi compté comme un tir normal. Enfin, c'est, bah, on tire sur la cible, quoi. Donc le deuxième coup va être critique. Ça va.
suis encore bloqué. Quelle merde. Allez, vas-y. Yes. Très bien. Un peu obligé. This will go better if we work together. Ça va, ça va. On est bon. Ouais. Non! Il y a Billie Jean qui est mort. Corne de Billie. La courbe naturelle de la corne est propice pour... Attends, qui c'est qui est en train de crever là? Ça. Donc arme blanche niveau 4. Courbe naturelle de la corne est propice pour la mise à mort des chèvres. Amélioration du véhicule, klaxon. Cherchez la chèvre et vous aurez ce klaxon. Oh. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence ou pas? Oh, c'est con, Billie Jean. Billie Jean qui sont morts. C'est pas fini encore. Personne qui a monté de niveau, quoi, c'est incroyable. Ah, ça me... Ah, ça m'embête un peu.
on a sauvé le clone, même si le clone, je sais pas si vraiment on aurait dû. Enfin, est-ce que c'était utile ou pas? Après, on a des chèvres. Les chèvres font la même chose que Billie Jean. Donc bon. Attends. Par contre, on n'a pas un truc qui augmente le... ça. Non, on n'a pas. Non. Ah, ça m'embête, hein. Parce que Billie Jean, en fait, nous a vraiment aidé sur beaucoup, beaucoup de choses. Sur beaucoup de combats. J'avoue que là, j'ai bien envie de retourner au QG juste pour aller prendre une chèvre. Parce que c'est vachement utile, hein, le coup du... d'avoir une sorte de tank chèvre, là. In progress. Ça que je dois bien récupérer là, le... C'est quoi ça, un cerf? Rhetorical question. Tortoise, were you alive? Would you feel gratitude to the ranger? Ça m'embête. J'ai vraiment envie... Enfin non, recommencer après, ça va prendre trop de temps. De toute façon, on a fait au mieux. C'était déjà bien bien compliqué comme combat. Donc ça va. Puis ça nous a pris genre une trentaine de minutes ou un truc comme ça. Bon, la poule par contre... ouais. Bon, c'est bien parce qu'on n'a pas autre chose hein, sous la main. Bonus d'expérience. Je sais même pas si c'est vraiment utile, parce que l'autre il a 25% d'expérience en plus. Depuis un moment, hein. Et il a un niveau d'avance. Ah, bah, le prochain combat, ils vont tous monter de niveau. Attends, tu te fous de ma gueule? Il a combien? 649, 667. Prochain niveau. La blague. Je crois qu'ils ont tous... ils vont tous prendre un niveau. Oh putain, il y en a encore là, quoi. Ah bah bravo. Je sais pas si on va pouvoir le tuer avant qu'il arrive.
Honnêtement, je crois pas. Peut-être qu'ils vont aller sur Zeus à la place. Eh, brûlure et les deux en même temps. Très bien. Fou, ça fait mal. Hein. Pardon ? $150 la poule. Tout le monde qui se prend du poison quoi. Oh là là, ça me rend fou. Ah putain encore. Et encore tout ça. Non mais sans déconner. Mais sans déconner. You put the hell in hellacious. J'ai pas envie de faire du rocket ça, hein. Il faut faire le rocket si jamais on a... On a le truc nucléaire. Ah, ça touche pas mal le ciel en fait. Méga efficace. Est-ce que on doit soigner quelqu'un d'autre? Encore 6 tours de saignement. De poison, pardon. Le truc c'est que si on bouge le chemin, ils vont... Si on met deux d'à côté, l'un derrière l'autre, je crois qu'ils peuvent plus passer les pets là. Yes. Jambes. Très bien. Bien.
a Zeus qui doit bouger. Toucher le chicken, le poulet. Oh ouais, le poulet il va prendre cher. Bah voilà. Comme ça c'est fait. Je peux pas bouger. Très bien. Les deux. Ah merde, attends. Si, c'est bon. Très bien, 641 sans critique, c'est pas mal. Ah, je peux pas passer. C'est bon, je peux passer. Ok. Oh la vache. Et c'est pas fini. Allez, on va se soigner. On a perdu le chicken. Poulet. Qu'est-ce qui t'arrive, Furé? Il va mourir encore. Lui. C'est bon. Quel bordel. Ah, les drôles, c'est vraiment une catastrophe. Hein, pour le truc qu'ils explosent là, putain. Ça va faire une heure qu'on est dessus, qu'on se fait les drôles. Oh vache. Est-ce qu'elle a pris un niveau, notre Fury? Non. Putain, presque. Parce que je voudrais bien lui mettre le récupérer le cerf.
Dépasser 5 espaces, prochain attaque, fil d'assaut ou pisser une toile ne coûte aucun AP. C'est au niveau 7. Non, c'est 8 donc on va. L'avantage, j'ai envie de mettre armure, honnêtement. Je suis pas sûr encore. Ils sont bien les robots de faire ça gratuitement. Encore eux. Très bien. On a notre doyen, on a le truc, ok. Ça marche. Ah, et je crois qu'il n'y a pas d'animaux proches. Je vais être honnête, on va peut-être faire un tour au QG à un moment ou un autre quand on aura fini avec les drôles pour aller récupérer un animal. Parce que, ouais, j'avoue que c'est un peu con quoi. J'avoue que ça aide. Ah, on s'en rappellera de Billie Jean. Ah. Vraiment des chèvres superbes. Ils nous ont tellement aidés. J'ai envie de me dire, peut-être que maintenant ça devient la couverture, ça sert à rien qu'il s'amène. Je me dis peut-être que ça c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on est de moins en moins à couvert. Je sais pas. Je sais pas. Là on va attendre pour le commandement. Comme ça, on augmentera, on essaiera d'augmenter le commandement à fond. Alors, toi. Alors, un truc d'un télo. Ah, ta mécanique à 16 référents véhicules et robots éléments déployés à l'île donne 7% d'armure. Robot piraté donne 2 PA. Je sais pas ce qu'on voudrait en fait en premier. Les armes non, parce qu'on n'a pas de nouveaux trucs. Ce serait mécanique ou truc d'intello. Mécanique, on a un plus 1 aussi. On a truc d'intello, on a un plus 1. Je sais pas, on va attendre. On a encore du... Sur le... On sait pas trop ce qui va nous arriver, donc autant attendre si jamais on a besoin d'un point genre en mécanique ou un point en intello. Ah, ou alors on commence comme on avait dit. Ce serait 3. On commence la science étrange. Ou alors la science étrange, on la met à elle. Oh là là, je sais pas. Parce que si elle prend que des lance-flammes. Ouais, mais non, lui, ça va être le tueur de robot. Aïe aïe aïe, je sais pas, ça me gonfle. Comme j'ai dit, hein, lui il a déjà 4 trucs. La L non.
Bon, j'arrête de parler, on y va. Oh mon dieu! Non mais sans déconner quoi. On va être à court de... Non mais là on va commencer à être à court de munitions juste parce qu'on n'arrête pas de tuer des drôles quoi. Il est pas mort. C'est un truc de fou là. Je sais pas comment me débrouiller. Là. Bon, eux, on peut les bloquer. Eux, ils font chier, par contre. Mais bon. Gardez-moi ce bordel. Ok.
Déjà, on va pouvoir faire ça. On a foutu le feu encore à notre clone, mais bon. Pas fait un critique. Attends, combien? Très bien. Si je mets ma baisse, je vais faire comme ça. Ah putain, il y a le clone. Désolé, quelqu'un porte, on oublie, tout va bien. Là j'en toucherai 3. Le clone fout la merde. Le clone fout vraiment la merde. On va éviter de trop lui tirer dessus quand même. Ce serait bien qu'on puisse le tuer lui. Il y en a deux l'un sur l'autre. D'accord, super. Le nickel, nickel. Bon, par contre, elle va se prendre une baffe, va tomber. Hein. Elle va tomber, obligée. Voilà, c'est bon. Il n'y a peut-être pas que elle qui va tomber, ouais. Qu'est-ce qu'ils font mal? Ah, ça va, ça passe. On a vu pire. Par contre, je pense pas pouvoir la sauver. Sauf si je me bouge. Je me mets là. Non, c'est toujours 7. Bon, c'est pas grave. Très bien. Normalement, on devrait pouvoir le tuer au flingue. Voilà.
On a quoi là? Ah oh, merde, il y a lui. J'avais pas vu. On a plus qu'un normal et un explosif. Quelle merde. Lui va mourir. Lui peut-être pas. Va falloir qu'on soigne le clone. Après l'autre il avait dit qu'il faut ramener les restes du clone. C'est tout. Vous êtes sérieux là tous? Merde, faudrait la réanimer. Attends. Clone qui va se prendre une baffe comme d'hab. Soigne-moi le... Ah, très bien. Parce que je sais pas s'il prend des niveaux ou pas, en fait. On me dit pas qu'il y en a encore. Ah, oh, il y en a encore, quoi. Oh la vache. Bon, je crois que c'est les derniers. Ah, vous savez quoi? On va les soigner. Ah mais si vous êtes mal équipé pour cet endroit, mais laissez tomber, mais c'est la mort quoi. C'est la mort. Ah là on avait dit qu'on voulait augmenter l'animal, hein, c'est ça. Du coup on pourrait prendre le cerf, j'espère que c'est un bon truc. C'est un animal assez haut niveau. Bonus de dégâts de mêlée 20%. C'est chier, ça sert à rien. Ah, c'est vachement puissant par contre, mais ça sert à rien. Après, il y avait un truc qui était bien avec Billie Jean, c'est que c'était niveau 1. C'était simplement niveau 1. Donc du coup tout le monde peut en avoir un coup. Yes, you may experience a desire to move. Resist this to the best of your ability. You may experience. Après je parlais du fait que si on prend tous niveau 1, on a des buffs, on a tous des animaux, genre et tout ça. Mais si on utilise des lance-flammes et des conneries comme ça, en fait on tue tous les animaux quoi. C'est juste impossible de gérer. C'est juste complètement impossible de gérer ça. Là, je sais plus ce qu'on voulait faire avec elle. Augmenter la vitesse. Gros impact. Armure lourde. Cocotte, tu me fais voir un peu.
Alors, gros impact, c'est s'il frappé de plein fouet par des roquettes ou des grenades, subissent automatiquement un coup critique. Ouais, non, ça va être top, ça, en fait. Ça va être top. Et après, c'est ça. Chauffer au rouge le véhicule d'un ennemi avec votre lance-flamme fait 40% de dégâts de feu à la constitution du véhicule au cours des deux tours suivants et empêche le véhicule d'agir. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Puis, en plus, ça fait pas beaucoup de dégâts contre les véhicules, en théorie. Mais là, du coup... le lance-flamme devient utile. Mais je crois que le gros impact est quand même plus intéressant. Parce que du coup, on peut balancer des grenades. Ça fera toujours des coups critiques. Donc bon, ça va faire quand même vachement mal. Je vais être honnête. On va finir les drôles et on va rentrer au QG. Pour changer d'animal de compagnie. Et acheter des munitions. Là, il nous faut du lance-flamme. Et des munitions de sniper aussi. Oh mon dieu, il y a encore... Il y en a beaucoup en fait. Très bien. Putain. Et avec la musique. On va les laisser descendre. Les musiques quoi. Enfin là c'est trop fort. Ah j'aurais dû m'abaisser. Mais... Ah ils peuvent pas passer. Non ils peuvent pas passer ça. L'échelle. Ouais non j'aurais dû y penser. Comme il va loin. Est-ce qu'il a une attaque spéciale, le cerf? Attends, je peux peut-être faire ça. Allô? Je l'ai annulé ou quoi? Ok cool. Merde, faut qu'elle s... Yes. Magnifique. Maintenant, voilà.
lance-flamme, on va attendre. Chouchou. Tu fais quoi, le cerf? Vas-y, fais un truc sympa. Ah, pas... Ok, raté. Elle est où, Lucien? Voilà. Très bien. Eh bien. On a enfin fini, je crois. Alors, on fait voir un peu. Donc elle, je sais pas ce qu'on peut lui mettre en attribut. Tiens, c'est étrange, énergie, feu et froid. On va rentrer au QG d'abord. Parce qu'imaginons qu'on la... qu'on lui dise de rester pour le du lance-flamme. Genre le la... comment dire, la spécialise dans le feu et l'explosif. J'avoue que le truc d'Intello serait plus intéressant. Parce que du coup... on augmente les dégâts de feu. Donc ça, c'est intéressant. Après, comme j'ai dit, si on veut en faire un tueur, l'autre de robot, alors déjà il a plein de bonus. Anti-machine et tout ça. Et si on augmente les dégâts à énergie, ça peut être intéressant aussi. Mais encore une fois, il a déjà 4 compétences, donc c'est beaucoup. Et on va en chier en fait pour les augmenter, c'est ça le problème. C'est qu'on va tout simplement en chier pour les augmenter. Si c'est tout The Skip qui a les trucs intéressants en fait. Ok, on va mettre ça. En mémoire de Billie Jean. Non mais pousse-toi. What do you need, Rangers? I'll do it. Have a seat. Eh ben, c'était compliqué, hein, putain. If it ain't cut, don't stitch it. J'ai un peu les munitions qu'il me faut. Alors du 30-06 et du lance-flamme surtout. Ouais. 30-06 et du lance-flamme. Hey, you're keeping people alive, Rangers. That's a good thing in my book. Happy to. Take a look. T'as des trucs de nouveau ou pas? Pas vraiment. Alors, du 30-06, c'est ça. Une vingtaine. Et du feu. Ok, le reste on peut se débrouiller. Tu vois un peu. Ça c'est du quoi? Du 762, ça va. Non, le 762 ça va. Enfin, c'est pas énorme quoi, mais.
I feel bad for the refugees. A lot of people... Happy to. Take a look. C'est le 5, c'est 7,62. C'est 2 dollars l'une. On va faire là. Ok. Après, on a toujours de la ferraille. On a 1700 et quelques de ferraille. Ah, 1786. Donc on peut toujours crafter des trucs avec la ferraille. Mais t'as pas été soigné, toi. Attends. Je sais pas pourquoi. Doyen, viens avec nous. Ah, mais je sais pas, il va peut-être pas vouloir qu'on soigne. Ouais. Bah, il se fera soigner automatiquement. Je sais pas, des fois il se fait soigner, genre je sais rien. Je comprends pas comment ça marche. Je vais aller voir les réfugiés vite fait. Voir s'il n'y a pas d'autres histoires. Je vais peut-être faire une pause en fait. Ça va faire une heure et demie. Ça va faire une heure et demie qu'on est sur les drôles. More people may mean more mouths to feed, but you can't just be careful out there. It's an uncaring world. Ok. On va changer d'animal de compagnie. Ok, cool. Alors... Chèvre des montagnes. C'est ça qu'il nous faut. Après, il y a lui aussi qui est pas mal. Qui fait du poison. Et les chèvres des montagnes, c'est les... C'est ceux qui... Ils font piétinement là. Ah, on peut peut-être. Ouais, non, le chèvre des montagnes. Ah, vous savez quoi? Je crois que je vais m'arrêter là, moi. Je vais faire une pause. Je me pose ici maintenant. Ah, la statue, elle a été finie. L'honneur général Vargas, tous les rangers qui ont donné leur vie pour un monde meilleur. Cool. Rangers. Stay sharp. Ah ouais. Je vais m'arrêter là, moi. Je vais faire une pause et je vais décider ce que je fais pour Zeus ou Thunder. On va voir. Parce que sinon, j'arrête pas d'y penser, de parler et tout ça. Et puis au bout d'un moment, c'est un peu casse-couille. Parce que je me décide jamais en fait. Et après, je vais peut-être vendre toute ma camelote ici aussi, pour voir un peu combien on en tire. Je vais juste vous montrer, parce que ça aussi c'est un peu aléatoire du coup, parce que vous savez des fois ça, vous avez une chance en fait d'avoir 40 fois le prix. Donc, genre on fait ça. Alors, vendre la camelote. Hop là, on est monté à 2690, on était à 1400, c'est énorme hein. Et après, il y a ça, vous avez trouvé une antiquité, etc. Et si on recharge... Bah après, c'est honnêtement, c'est du détail. Hein. Je conseille pas de faire ça. Parce que, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps perdu, du temps à perdre, pardon. Et que vous êtes vraiment à court d'argent, qu'il faut vraiment genre 100$ de plus pour vraiment avoir l'objet ultime ou je sais pas quoi. Mais du coup, vous pouvez recharger, voir si vous avez un peu du mieux. On était quoi, 2600? I feel bad for the refugees. Happy to. Take a look. 2690. Ouais, c'est la même chose. Bah du coup, c'est exactement la même chose. Mais voilà, on peut recharger en fait et voir si on a un peu du mieux. Après, on a... on aurait des armes à vendre. Qui pourraient être pas mal. Ça, c'est des vieux... Des vieux trucs à impulsion. Je vais voir ce que je vais vendre après. Faut que je fasse un peu un tri. Ouais, faut que je fasse un tri un peu des armures et des armes. Est-ce qu'on les détruit en ferraille ou pas? Je pense pas, je pense qu'on va en vendre quelques-unes. Peut-être les armes de très bas niveau par contre.
Parce que les armes de très bas niveau, c'est genre une vingtaine de dollars, autant les transformer en ferraille. Mais quand c'est genre plus de 100, on va les vendre. Ouais, on a 2690. Mais ouais, vachement, vachement utile hein, d'avoir elle. Le marchandage là, c'est le top. Et ça, bien sûr, les deux là. Faut absolument avoir ça. Je conseille même vraiment de rien vendre du tout depuis le début du jeu, quoi. Sans avoir le marchandage, quoi. On aurait pu avoir peut-être sûrement 3000 de plus. Parce qu'on a commencé à vendre beaucoup quand on a eu le marchandage, quand même. Donc ça, on s'est bien débrouillé. Mais bon, voilà, c'est Westland. Faut s'habituer. Allez, je fais une pause là, je vais voir un peu ce que je fais avec mes personnages. À la prochaine, ciao ciao.